Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Srazé Osrar. Parlons livres, parlons lecture, parlons Tolkien. J'ai des livres un peu particuliers, on va commencer par le plus simple. Dictionnaire Tolkien, il est super bien fait, c'est vraiment sous format dictionnaire. On apprend plein de choses sur des personnages. D'ailleurs, apparemment, ça a été refait par plusieurs contributeurs déjà. Et ça a été refait ce livre. Et en fait, ils mettent vraiment plein de notions sur plein de choses, sur l'univers, etc. Moi, j'ai adoré. Voilà, ils mettent même la formation de la Terre du Milieu. Ils mettent les personnages, ils mettent plein de choses. Et j'adore. J'adore même, quand je suis dans l'histoire, retourner là-dedans, regarder un peu plus. Ensuite, nous avons une encyclopédie illustrée de Tolkien. Je ne vais pas aller plus loin dans l'intérieur de celui-ci, hein, parce que c'est très simple. Hein, c'est comme ça marche comme un dictionnaire. Hein. Là, par exemple, je suis sur conservatisme. Tolkien est-il conservateur? Il y a appendice, anneau du pouvoir. Il y a alphabet inventé. Il y a vraiment plein de choses. Et nous avons aussi les personnages. J'avais Aragorn la dernière fois que j'avais trouvé. Arawen Endomiel, Arnor, les arbres, voilà, Aragorn, Arachne, une araignée. Hein. Voilà, il y a vraiment. Moi, je l'ai trouvé vraiment super bien fait. Donc, voilà, nous avons ceci. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, l'encyclopédie illustrée de Tolkien, parce que j'adore ça en ce moment, et on apprend plein de choses. Celui-là, c'est de David Day. Et il est vraiment super bien fait, moi, je trouve. Alors, nous avons plusieurs choses. Hein. Nous avons l'histoire, la vie et les œuvres de J.R.R. Tolkien. Géographie, sociologie, je vais y arriver, histoire naturelle, personnage. Et nous avons de magnifiques illustrations dedans. Attendez, j'en ai une, là. Je l'avais trouvé magnifique. Voilà, et c'est sous format d'encyclopédie. Donc, on a des mots, par exemple en géographie, là on a des mots et on a plein d'informations vraiment à chaque fois. Ça c'est de chez Hachette. J'avais droit en prenant plusieurs choses. Il y a des généalogies là, des races. J'aime bien le feuilleter. Et donc j'avais droit en cadeau à une carte, je l'ai mis contre eux. Je l'ai mis comme ça en attendant. Oh, une araignée. Bon, là, elle ne me dérange pas. Je l'ai mis contre mon armoire. Voilà, je l'ai posé. Je l'ai mis. Donc voilà, cette encyclopédie, elle est magnifique. Elle est au prix de 30 euros. Elles vont au prix. Et vraiment, on apprend plein de choses. Les autres, là, c'est 23 euros. Là, je vais vous parler d'un bébé. C'est pour ça que j'ai passé vite les autres. Un gros bébé. Là, en fait, j'ai eu un petit couac. Non, c'est pas celui-là de livre, heureusement. C'est un autre livre où j'ai eu un petit couac sur un livre de Tolkien. Mais là, j'essaie de faire attention parce que j'ai failli avoir un petit couac la dernière fois. Voilà, mon petit couac là, il n'y est pas. C'est un beau livre, vraiment beau. On va faire comme ça pour vous montrer. C'est Le Seigneur des Anneaux, illustré par Alan Lee. Alors, il fait abîmé. Il est abîmé. Il n'y a pas sa jaquette. Je vous laisserai deviner dans les commentaires à quel prix je l'ai eu. Voilà. Et en fait, c'est Le Seigneur des Anneaux, mais avec des illustrations d'Alan Lee. Vous allez me dire, ouais, mais t'aurais pu prendre les nouveaux, machin, sauf que là, c'est le complet, messieurs, dames. Voilà. Alors, vous allez me dire, ouais, mais t'aurais pu prendre... Déjà, je vous laisse deviner le prix du livre. Et deuxièmement, je vous l'annonce tout de suite, c'est 2002. Édition 2002. Des éditions de juillet 1992. Donc en gros, c'est l'ancienne version qui n'existe plus. Et qui est difficilement trouvable. Voilà. Alors il est un petit peu abîmé, hein, vous le voyez. Mais il est magnifique et je peux facilement le lire, même si il a un certain âge. Voilà, il est vraiment mais super beau. Il est vraiment à peine, bon là, un peu abîmé là, un peu abîmé, voilà. Et il est un peu,
un peu sale, mais voilà, une édition rare. C'est mon bébé. Voilà pour ce qui concerne la vidéo sur Tolkien, mes nouveaux livres, parce que j'avais commencé cette chaîne avec Tolkien, autant que je continue de vous parler de Tolkien. Tolkien. Je vous dis à la prochaine vidéo, parce que je crois que je vais en faire plusieurs aujourd'hui. Et pensez à vous abonner, pensez au pouce bleu. Vous avez la zone commentaire. Voilà. Je vous dis ciao.